L'agression du chauffeur de bus évoque la question de la sécurité mise en place dans les transports niçois. Le chauffeur de la ligne 70 est sorti de l'hôpital, il est actuellement en arrêt maladie. Les chauffeurs ont conscience des possibles risques qui les guettent chaque jour. Comment, ben voilà, on est en sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, c'est porte ouverte à tout le monde. Le truc c'est ça, il faut faire attention aux personnes qu'on charge, et éventuellement avoir l'attitude nécessaire pour pallier à certains dangers. Mais aussi il faut protéger les voyageurs. Donc plus de contrôle, plus qu'on soit plus contrôlé, c'est vrai. Et mieux suivi dans le sens où si on a un souci, qu'on puisse appeler rapidement les services nécessaires. Dans les bus Ligne d'Azur, le chauffeur n'est pas protégé par un habitacle en verre comme ils le sont par exemple dans les transports parisiens. Maintenant ils ont des vitres anti-choc et pour éviter que la personne se fasse agresser, parce que là on se fait cracher dessus, des coups de cutter comme mon collègue qui s'est fait agresser, un peu tout. Donc il faudrait qu'il y ait une coupure entre le client et le chauffeur. Voilà. Au moins on essaye d'aplanir le système de notre bus. Et on a des consignes aussi de ne pas trop relever aussi, parce que pour éviter les représailles dans certains quartiers. Voilà. La sécurité du personnel niçois est donc mise à mal par cette agression et le risque reste élevé.